Voilà, voilà rendu. Ok, pénétrons à l'intérieur après un autre temps de chargement, parce que c'est ça qui est bon, hein. On aime vous les infliger en pleine poire, ceux-là. Toujours gratuit, chers amis. Quand tu fais pour jouer 300 heures à Skyrim, c'est 299 heures de chargement et 1 heure de gameplay. Bienvenue sur Amiga. Ah putain, le TO7, tu sais, celui qui lisait toute ta cassette pendant une demi-heure avant de lancer un jeu foireux. Alors, messieurs, ah voilà, Serra. Quoi encore? Je crois que nous devrions nous séparer. J'espère vous revoir bientôt. Adieu, Serra. Vous me cherchiez? Vous voulez toujours venir avec moi? Bien sûr, allons-y. Ça s'appelle la réinitialisation... Réinitialisation. J'arrive pas à le dire. Bref, le reboot d'un personnage. Oh, que se passe-t-il? Il se passe que rien du tout, il se passe que tout va très bien. Où est le forgeron? Oui? Que puis-je faire? Parlez à Gunmar, il a une tâche à vous confier. Très bien, Gunmi! Sympathique endroit, pas vrai? Je voudrais acheter un truc là. Qu'est-ce que tu as à vendre? Armez-vous et protégez-vous autant que vous le pouvez. Alors, il y a des armures cloutées de différentes couleurs, armure de mer d'illusion majeure, tout le bordel, armure à bande. Hein. Ah ah, bouclier de la garde de l'aube. Bouclier elfique et bouclier en peau atténuée et bouclier à bande. Ok, très bien. Bah écoute, je vais te prendre un bouclier de la garde de l'aube et 200 carreaux d'acier, plus de munitions. Excellent, avec ça, je vais le forger un petit peu. Lingot d'acier, très bien, 58. Good enough. Et si je pouvais l'enchanter, ce serait l'idéal. J'espère que vous... J'apprécie ce qui sera un affaire de cet endroit. Il est bon de voir quelqu'un de toujours près. Très peu de gens... Je peux essayer. Apprenez-moi à mieux tirer, maître. Si. Super. Je sauvegarde. Apprends-moi à mieux piller tes poches. Msoï. Raté. Bon, c'est pas grave. On l'a refait avec la petite sauvegarde rapide. Apprends-moi à mieux piller tes poches. Mzaï, raté. C'est toujours l'amour, ce genre de truc. Mzaï, raté. Jusqu'à ce que je récupère mon pognon. Elle a juste trop de blessures. Mzaï. Ah oui, 20 000 $. Ah, je lui avais fait un chèque en bois. Maintenant, pousse-toi, minable. J'ai besoin d'enchanter. Okay. Il y a au moins 30 manières différentes d'être attaqué. Fais-moi fondre cette merde. Tu es chez soi à n'importe quel moment. Ok, Polichette Silver Great Axe. Ah oui, c'est vrai, j'ai récupéré ça. Alors ça, j'ai pas enchanté, celle-là non plus. Cloak Black Eye, Dungar, Couronne d'Argent, Ornée d'une Pierre de Lune, Razor Hood, j'avais ça moi. Hop, Bouclier de la Garde de l'Aube. Gemme spirituelle, l'étoile noire, elle a une âme de niveau majeur seulement, elle va pour gemme spirituelle magistrale. Du coup, qu'est-ce que je peux y mettre derrière? Ma récupération de magie 25% plus rapide, 78, c'est pas mal. Augmente santé de plein de points, non. Oléoquence, non. Vigueur, non. Sort de guérison, les prix. Double les attaques. Dragon Power Absorb, ça c'est juste pour rendre super joli. Grande poche, capacité de port augmente de 50 points. Mufle, puissance de gaulure, toujours assez intéressant. Renfort, vigueur, récupération. Fort d'alchimie, renfort d'altération, altération avec magique, alchérie, arme à deux mains, arme à une main. Ça peut être intéressant ça. Non, j'évite. Armure lourde, armure légère, illusion, renfort magique, éloquence et un peu hors combat main, conjuration, crochetage, destruction, forgeage, futilité. Il n'y a pas renfort de blocage. Ah ah, renfort de parade. 40% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier. Et 40% de dégâts supplémentaires avec votre bouclier. Et si je peux avoir un dégât supplémentaire avec les armes à une main, voilà, ça c'est bien ça. On va le renommer. Bouclier de l'Inquisiteur. Et voilà! Serge, j'ai rien optimisé du tout, chers amis, mais honnêtement, vous savez quoi? J'en ai rien à foutre. Good enough. Good enough, good enough, good enough. Voyons voir par contre dans les trucs. Puff, 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 puff. À la place de feu solaire, vu que ça me sert à rien. Voir un peu si je le style avec. Parfait. Et avec le chapeau. Avec le chapeau. On voit pas très bien, ça bug un peu, mais parfait. Une watt, coup des neuf. Super, je viens de maintenant de récupérer un bouclier. Ok. Très bien, très bien. Et bien tout ça, si, fonctionne très très bien. Gunmar. Ça ira. Mais on ne pourra pas rester... J'ai détruit le vampire maître de la nuit de la grotte de la crique pierreuse. Excellent. Ça fait un monstre et ses rejetons de moins dans la région. Que puis-je faire? Parlez à Isran.
Il a une tâche à vous confier. Ok, Isran. Oh putain, t'as des lingots en fer. Je vais pas te piquer ce matos, ça ne sert à rien. Ce que vous faites. Bonjour. J'espère que vous vous entendrez avec Isran. Ce n'est pas un type facile. Pourquoi ça te pointe, toi, de J'apprécie ce qu'Isran a fait de cet endroit. Il est bon de voir quelqu'un de toujours près. Pourquoi ça la pointe, elle? Ça veut rien dire. Ah, bien sûr, il est au-dessus. Comment je fais pour aller au-dessus? Comment je fais pour monter? Ah, par là. Tac, 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 très bien. On y arrive, chers amis, on y arrive, hein, vous en faites pas. C'est pas... C'est merde. C'est pas par là. Hé, hey, faites attention. Ta gueule. Par là. Hop, 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 hop. Super, super, super. Tac, 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 tac. Isran, tu es là. Bonjour, papy. Je savais qu'on en arriverait là un jour. Et pourtant, personne ne m'a cru. Le châtiment! Le châtiment, je vous dis! Le châtiment! Kakakakaka! Le châtiment, les nonnes! Le châtiment éternel, qu'est-ce que tu fais? Kakakaka! T'as le guac, hein? Tu pensais que t'allais nous répartir partout sur la pièce? Kakaka! Sauf contrairement à toi, on n'est pas dispersés! Kakaka! Kakaka! Ouais, même qu'on se serre les crânes! Kakakaka! Gisèle, cesse tout de suite! Restez constamment alors sur vos gardes. Évitez de dormir. Que puis-je faire? Le sommeil, c'est pour les faibles. Le Jarl est en danger. Un vampire se fait passer pour un conseiller de passage à la cour. Éliminez-le avant qu'il ne mette ses sombres projets à exécution. Eh bien, c'est bon, hein. Les gardes du Jarl ne se doutent de rien et tenteront de vous arrêter quand vous vous attaquerez au conseiller. Si vous persuadez le Jarl que sa vie est en danger, il vous laissera détruire la créature. Sinon, tuez-la sans vous faire prendre. Hâtez-vous. Je vous rappelle que la vie du Jarl ne tient qu'à un fil. Elle ne tient qu'à un coup. Ah ah! Un coup de fil! T'as compris? T'as compris, Serana? Non? Non, t'as rien compris? T'as rien compris? Eh bien, vol! Vol, Serana! Objection, objection, votre honneur, je recommence. Eh bien, vol, Serana! Ça marchait pourtant avant. Puis ça marche sur lui aussi. Il vous faut quelque chose? How the fuck does this work? Quand vous voulez. Bon! C'est pas grave! Ah, c'est pas grave! Dans divers, il y a aidé Sorin à améliorer l'arbalète. Comment je fais pour l'aider à améliorer l'arbalète? J'ai complètement tout oublié, hein. C'est une catastrophe, chers amis. Là, je tourne en rond depuis tout à l'heure. J'espère que vous vous entendrez avec Isran. Ce n'est pas un. J'achèterai tout ce dont vous n'avez plus besoin. Eh ben écoute. Bon bah je vais déjà te vendre les armes qui font de la place là. Bâton de stalactites, je m'en fous. Carreau d'acier, je les garde. Flèche or, je les vends. Masse de bonus d'épuisement, je vends. Masse à faire. Foolish Cretax, vas-y, tu prends tout quand même. Et pour le reste, je garde. Merci pour ton pognon, bébiche. Ok, bon, j'ai quand même su récupérer un super bouclier. Et j'arrive plus à trouver la porte de sortie. Ah, par là, très bien. Tac, 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 tac. Juste avant de partir, on met le chapeau et le masque, et on sort. Voilà. Les armes de la garde de l'aube infligent des dégâts supplémentaires aux vampires. Feu ! Feu ! Inutile ! Délicieusement inutile. Hop. Pas besoin de tout ça, c'est pour les faibles. Et par contre, trollichon. Grunt, voilà, trollichon. Troll, psh, allez, zou, allez. Retourne dans la nature. Va, pars, va vivre ta vie. Oh, il s'en fout. Bon, ok, très bien. C'est bien, il comprend des ordres simples et basiques. Ok, donc maintenant, soit on fait une des quêtes principales, histoire qu'on avance un petit peu, soit on va sauver le Yard, soit on va à Argindargindum. Ok. Justice du Yard, on va commencer par ça. On va commencer par sauver le Yard, déjà.
si on dit où il est. Ici, très bien, Fort d'hiver. Super, on peut faire d'une pierre deux coups. Aller à Fort d'hiver et demander... Le seigneur vampire a par défaut un puissant sort de ponction de vie dans la main droite et un sort de masturbation dans la main gauche. La touche de ses pouvoirs le transforme en un nuage de chauve-souris démoniaque qui reprend sa forme d'origine un peu plus loin, parce qu'il faut quand même pas déconner. Meilleure description ever. N'importe quoi. Mais pitié, ne restons pas là. Pourquoi tu... T'as froid ? Ça sent le chaud et le froid, les vampires ? Je croyais que ça sentait plus rien. Que c'est basiquement le but, en fait. Enfin, le but. Ouais, ce que je veux dire. C'est... Enfin. Ça me rappelle l'épisode de Kaamelott où t'as Arthur qui est un vampire, qui se téléporte, qui fait flipper tout le monde. Je crois que c'était une cagite de dos. Sauf si vous me payez un coup. Oh. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Patron ! Si vous avez affaire à l'académie, vous pouvez rester ici. En fait, c'est grâce à elle que nous avons du travail. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Fort d'hiver ? Bien peu de choses, j'en ai peu. Si vous avez besoin d'acheter quoi que ce soit, nous faisons surtout affaire avec les gens qui viennent visiter l'académie. Je cherche du boulot. Tenez, regardez ça. Des hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. Très bien. Toi ! Ranmir vous a demandé de lui payer à boire. Vous jetez l'argent par les fenêtres. Toi ! Bonjour. Bonjour. Toi, dis-moi. Il vous faut qu'un... Ok. Oui. Ok. J'essaie. De toute façon, c'est pas... Bois. Vous avez de la bière? Ou de l'hydromel? Vous avez de la bière? Ou de l'hydromel? Ouah, il m'a piqué ma bière et il m'a rien dit. Quel vieux soulard. Ok, j'étais rentré ici, chers amis, afin de demander s'ils avaient des informations sur le prêtre de la Falaine, mais je me suis fait baiser la gueule et emboîter. Donc je vais voir s'il n'y a pas le cocher. Attendez, à l'extérieur de la ville. Je tu me connais pas, tu me connais pas, tu sais pas ce qui je suis. Si tu sais qui je suis, c'est que c'est déjà trop tard. Il n'y a pas un cocher à l'extérieur, là? Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Eh ben t'es bien moche. Voyons cela. Une lettre. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Ça doit être le beau temps de bord de ciel dont tout le monde parle. Oh ça va. La dissidence... Dissidence, ça a bien 5 minutes, mais voilà. Lettre d'un ami, voyons voir. Bob Lennon, vous avez causé du remis ménage en démontrant la puissance de votre tomb. Les gens n'attendent pas tous avec impatience le retour de l'enfant dragon. Je ne suis pas de cela et je désirerais vous aider à développer vos talents. Bordeaux a besoin d'une figure de proue. Vous devriez vous intéresser à cet endroit, vif de Ranveig. On y trouve, à ce qu'on dit, une mystérieuse source de puissance que seul l'enfant de dragon peut libérer. Salutations, un ami. Eh ben merci l'ami. Ouais, voilà, c'est exactement ce genre de musique. Ok, donc là, il n'y a pas de fouet de cocher. Ça fait chier, parce que je lui aurais bien demandé ce qu'on aurait pu faire à propos des prêtres de la Falaine. Mais bon, trouvons le conseiller du Jarl et éventuellement assassinons-le sans vergogne. Histoire de gagner un temps fou. Qui est ce nouveau conseiller? C'est lui? Conseiller en visite. Ah ouais, il est pas suspect, hein? T'es à peine du côté obscur de la force, toi, hein? À peine. Si! Si! Oui, non, ça passe pas, celui-là. Que venez-vous faire à Fort d'hiver? Quelle importance! Oui. L'académie nous a déjà causé assez de soucis. Inutile que quelqu'un vienne encore en rajouter. Si vous n'êtes pas là pour l'académie, alors vous n'avez pas la moindre raison de venir à Fort d'hiver. Eh bien, t'appelles ça Fort d'hiver, il y a quatre maisons, quoi. C'est vous, le Jarl. Je cherche du travail. Fort d'hiver a perdu la plus grande partie de son histoire. Et avec elle, sa puissance. J'essaie de changer cela. J'ai entendu des rumeurs sur l'emplacement du home de Fort d'hiver. Vous saviez que Hans était candidat à la succession au trône de Haut-Roi de Bordeaux-Ciel? Hans, le gentil nazi? Cet objet pourrait m'attirer l'attention des autres châtelleries. Et me donner un peu d'autorité. De l'autorité? Je me charge de récupérer ton casque. Bien. Une bourse d'or vous attendra à votre retour. Très bien. C'est une quête qu'on finira dans 10 000 ans, hein, je le dis. Ah oui, pardon. Vous êtes en danger. Un vampire s'est infiltré dans votre cour. Je vous fais confiance pour éliminer cet intrus. Mes gardes vous laisseront le champ libre. Parfait.
Je n'en demandais pas moins. Petit. Ah oui, au passage, par contre, comme j'ai diminué le nombre de mes personnages, bougez pas. Voilà, je suis repassé en expert. Wouah, on voit tes couilles, hein. Eh, ôtez vos mains de là. Je suis désolé, je peux pas travailler dans telles conditions. J'essaie de dire de la merde, et cet homme... Ah, cet homme est dissident. Ouais. Bon. Voyons comment il réagit, Yol, Torchoul! Ulier! T'aimes le sang? Alors goûte le tien! Vous avez commis des crimes contre Bordeciel et ses habitants. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Et si je vous donnais un peu de pognon pour que vous regardiez genre ailleurs? Pourrais-je vous convaincre de ne pas prêter attention à cette affaire? D'accord, mais attention à vous. La prochaine fois, je ne serai pas aussi conciliant. Voilà. Tu parles des gardes qui me laissent la paix. Alors, bottes de vampire, capuche de vampire, je prends. Des gants de vampire, potion de résistance à la fois et robe de vampire. Poussière de vampire et pitac de vampire. Je prends tout, en fait. Ah, ça dépend pour qui, hein? Pas comme ça. Il fait plus froid que d'habitude. Un coup de ces fichus mages, c'est sûr. Ça, les mages, c'est pas non plus. De servir le Jarl, pas de palabrer avec des vagabonds. Chut. Silence, tu parles mieux à Serana, s'il te plaît. Tu respectes. Hop. Tu te plains du froid, Jarl. Voilà quelque chose pour ravigorer les flammes. Parfait. Bien. Maintenant que c'est fait... Super, donc ça c'est fait. Maintenant qu'il a été exécuté lâchement... Croyez-le ou non, je préférerais encore qu'il y ait du soleil. J'y crois difficilement, mais oui, je veux bien assumer que tu dis la vérité. Plutôt que de se taper toute la marche à pied, on va se téléporter directement à l'Académie de Fort-Hiver. Une du temple, c'est juste derrière. Hop. En mode téléporte comme un vieux chacal. De toute façon, c'est à 30 mètres, j'ai la flemme. C'est comme le mec qui prend un taxi pour faire 30 mètres. Ou dans Toy Story 2, tu sais. Et dire que c'est un samedi, il faut que j'aille bosser, il faut que je prenne la bagnole. Le gars, il est arrivé, tu sais. Où est Raya? God damn it, j'ai perdu Raya à nouveau. Bon. J'espère juste qu'elle n'est pas morte. Ouvre. Très bien. Vous avez une de ces têtes? N'est pas contagieux, j'espère. Ah, est-ce que je suis malade? Santé des grains. Ah, fuck! Sanguinari, vampirisme! Mieux! C'était donc l'instant panique! ça fait peur. Ok, technologie ancienne, non. Prophétie. Visitez l'académie de Fort d'Hiver pour vous renseigner sur le prêtre de la Falaine. Les services d'enchantement sont l'une des nouveautés qui nous permettent... Ok. Voilà, ça c'est très bien. Une des nouveautés. Ça existait déjà dans Morrowind, hein, gamin. Hein. Ça fait à peine 600 ans. Ou 800, je sais plus compter. Enfin bref. Voilà. Tac. Ah. Étrange, ça me fait passer par des... Arcanum, d'accord. C'est donc la bibliothèque. Il faut aller voir la bibliothèque pour demander au gentil vieux monsieur troll, enfin orc. C'est bien renseigné. Il n'y a que peu de contrées où l'on peut mener une carrière comme la mienne. Le petit incident immortal n'était qu'un malentendu. Peu importe ce que prétendent les gardes. Parler des apprentis qui ont disparu. Il est possible. Blablabla. Mais nous n'avons. Arniel estime qu'ils ont peut-être réussi à se perdre. Où ont-ils pu aller? Si mes souvenirs sont. Il a Stace. Il y a également. Ces deux gars, ils parlaient d'utiliser la magie de glace pour refroidir l'hydromel. C'était pour moi une perte. Pourquoi il n'aimait pas? Falion a dit. Blablabla. Il paraît qu'il s'est installé à Yalmar et que ça. Avec les morts vivants, blablabla. Bien sûr, les profanes ne le voient pas sous cet angle. Voilà. Alors, nous ne le crions pas. Si ça active des quêtes, bonne chance. Alors, Papy Brossard. Archimage ou non, vous devrez vous faire à mes règles en ce qui concerne les livres. Oh, toi, tu vas goûter à l'Inquisition. Si vous n'aviez pas été là.
Tout ce savoir aurait pu être perdu. Alors tu respectes. Je dois trouver un prêtre de la Phalène. Un prêtre de la Phalène ? Par Oblivion, pourquoi donc avez-vous besoin d'un prêtre de la Phalène ? Pour le rendre aveugle en lui faisant lire un parchemin des anciens. Mais mes affaires ne concernent que moi. Dites-moi ce que je veux savoir. D'accord, d'accord. Pas la peine de vous énerver. Comme il respecte. La solution la plus simple est d'aller à la cité impériale. Les prêtres de la Phalène résident dans la tour d'or blanc. Ils partent parfois à la recherche de parchemins des anciens. Vous avez de la chance. Un de ces prêtres de la Phalène est justement en visite en bord de ciel. Excellent. Il est passé à la bibliothèque pour faire des recherches avant de repartir pour Pondragon. Vous devriez pouvoir le rattraper si vous vous dépêchez. Parfait. Eh ben écoute, on va faire ça. Eh ben, manions-nous. Ouvrir, bord de ciel. Parfait. Super, bon, le rattraper. Il est parti vers Pondragon. Pondragon, c'est tout en haut à gauche de la map. Si je prends un cheval, j'aurai peut-être l'occasion de le rattraper, ce connard. Parce que du coup, comme c'est une quête où le personnage se déplace en temps réel en même temps, je vais pas, comment dire, le faire en mode... Le faire en mode trolli-lol. Fetter Fall. Alors. Altération! Ah, chute de plume! Oups! Aïe! Non, c'est bon, j'ai rien. Et merde! Où est-il parti? Je suis là. Où est-il? Ah, mais d'accord, mais il est directement à Pondragon. J'ai très envie de faire le chemin à cheval quand même. Hein. Ne serait-ce que pour vous faire visiter un peu, hein, juste pour la forme de la chose. Est-ce que j'ose? Allez, j'ose! J'ose! Chers amis, c'est l'heure du marathon! Cet épisode, du coup, sera peut-être plus long, si je m'en souviens, si j'avais à le repérer. Marathon, cheval et cataclope. Cataclope en se repérant tout à la map, hein, mes salauds. Mais Bob, ça sert à rien, hein, tu perds du temps, tu utilises toujours le voyage rapide. Pourquoi là, exceptionnellement, tu décides que... Parce que j'ai envie! D'autres questions? D'ailleurs, à ce propos... Est-ce que je peux la signer du coup? Je peux pas. Chevaucher. Très bien. Ok. Donc par où on part? On part par là et on fait le grand tour. Ou alors je peux tenter de couper par, par le bord, hein, par le bord de mer. Par le bord de mer en espérant pouvoir rejoindre la route. Ou alors je prends directement la route en contournant les montagnes et en passant dans les cols. Écoute, you know what? Fuck this. J'ai un cheval. Et je vais profiter de ses étonnants, surprenants et incroyables pouvoirs. En l'occurrence, la diagonale! Et y'a... Vas-y, canasson magique et incroyable. Passe toutes les limites de la réalité connue. Et vole. Apparemment, ici, ça bastonne sec. Des bandits. Et ya. 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 Il est en train de me buter à une vitesse folle. Ya. C'est fort le combat à cheval, hein. Victoire! Bravo les enfants! Bon, après, Ice Naga, c'est votre problème. Hein. Je me casse! Ya! Les élémentaires de glace, bonjour! Putain, ces steppes enneigées, je les avais jamais. Je crois pas les avoir jamais explorées. Hein. C'est... Ah bah si, apparemment si. Ah bah oui, c'est Sartal. Mais ça fait plusieurs centaines d'épisodes, chers amis. On y voit rien, vous avez vu, c'est sublime comme zone. Ah oui, bien sûr, je l'ai pas touché là. Tu m'expliques comment j'ai. Ouah, ça m'a tué. Ok, bon, tant pis.
Cette petite chute de merde qui me tue. Yeah, fuck this shit. Allez, go. Yeah. Voilà. Sanctus. Continuez à vous battre, j'en ai rien à foutre.